Bonjour, ici Rachel. C'est la Saint-Urbain. L'énergie cosmique atteint maintenant une forme de crescendo en ce mois de décembre, une sorte de puissance toute particulière. Bélier, entourez-vous de pensées lumineuses. Voilà un jour pour trouver le ton, pour être entendu, compris, suivi. Exprimez-vous comme vous le sentez. Taureau, satisfaction esthétique, sentimentale, artistique, tout ce qui peut élargir vos horizons est favorisé, vous vous sentez bien. Gémeaux, comptez sur votre chance et tout se fera sans fatigue. Appelez-la, la chance, liberté, aventure, flirt, amour. Cancer, signe fort du jour, ne vous punissez pas si vous avez commis une erreur. Parce que une erreur, c'est une étape. Les erreurs sont là pour nous enseigner, toujours. Lion, ne vous perdez pas dans les problèmes, ne le permettez pas. Accordez-vous du temps. Parce que c'est indispensable. Vierge, signe d'amour du jour, acceptez de prendre tout le temps qu'il vous faut, juste pour le plaisir, votre plaisir, parce que c'est bon pour la santé. Balance, vous ne regretterez pas vos choix, vous susciterez une jalousie terrible au sein de votre équipe, qu'importe, restez discret, protégez-vous. Scorpion, il y a toujours un nouvel échelon à gravir. À la suite d'une discussion importante, vous prendrez une décision inattendue, très novatrice. Sagittaire, jour de succès professionnel. Quand vous ne savez pas quelle voie suivre, eh bien, suivez les messages de votre cœur et personne ne vous fera de croche-pied. Capricorne, Mercure tourne rétrograde à 15 degrés du Capricorne. C'est le quatrième et dernier cycle de Mercure rétrograde de l'année. Vous devriez oser toutes les démarches possibles. Verseau, si vous cédez au spleen, eh bien vous allez aller à la rencontre de rapports complètement destructeurs. Il faut décider de vous régénérer vraiment. Maintenant, pour sourire, innover, essayer et aimer. Poisson, Mars quitte le Verseau et entre en Poisson. Amitié, occasion, tout est là pour vous aider à profiter de votre vie. Profitez à fond de ce jour, choisissez. Ici Rachel, un beau jour commence. Pour laisser partir ce qui est ancien et nous aider à apprivoiser l'inconnu avec courage et confiance.